Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 19 mai 2022 avec notre bel archange Métatron.
Alors pour commencer, j'ai le choix, n'est-ce pas, de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, lieu karmique, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment eh bien, est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et de débuter un changement dans votre vie. Alors les anges parlent beaucoup, n'est-ce pas, des différents lieux karmiques qui ont marqué notre âme. Et certaines personnes ont de la difficulté à se libérer des chaînes du passé. C'est pas facile, n'est-ce pas? Et à se libérer de certaines peurs, se libérer de tristesse et angoisse. Selon l'archange Métatron, il est parfois nécessaire, n'est-ce pas, de se rendre sur nos lieux karmiques afin de nettoyer nos chakras de ces mémoires profondément ancrées en nous, dans nos cellules, n'est-ce pas? Eh bien, si j'ai pigé cette carte, ce n'est pas anodin. C'est le moment. Le moment est venu de vous rendre sur un de vos lieux karmiques. Chacun de nous à 3 ou 4 lieux karmiques. Et pour découvrir votre lieu, parfois, n'est-ce pas, le simple fait d'être attiré par un pays ou une ville, eh bien, cela constitue déjà une partie de la réponse. Alors que ce soit la France, le Japon, l'Égypte, le Mexique, le Maroc, la Californie, le Canada, etc. Eh bien, méditez pour connaître votre lieu karmique. Une émotion ou une situation dans votre vie nécessite que vous creusiez davantage pour aller à la source et savoir quoi faire pour comprendre. Alors laissez-vous guider. Il est primordial que vous alliez à la source pour connaître ces difficultés karmiques que vous avez et que vous avez difficile à vous en séparer. Eh bien, j'étais en train de penser que j'étais attirée par plusieurs pays et c'est vrai que je suis en train de penser tout en faisant cette capsule. C'est pas anodin que j'étais attirée par certains pays. Donc, probablement que dans mes vies antérieures, eh bien, voilà. Il y avait des choses à nettoyer et il y avait des choses à laisser partir et il y avait des choses à transcender. Alors pour certains d'entre vous, eh bien si vous hésitez à partir en voyage, n'attendez plus, c'est le bon moment pour le faire. Et pour d'autres, eh bien il y a cette empreinte karmique qui vous empêche, qui empêche votre chakra de s'équilibrer. Donc il est important de vous libérer et peut-être demander un soin énergétique, peut-être en recevant un soin énergétique.
Alors, pour d'autres situations, je dirais que il se peut que vous fassiez une rencontre signifiante durant un voyage et cette personne deviendra un ami cher. Alors, quand je dis voyage, partir en voyage, c'est pas partir en vacances, c'est pas nécessairement partir en vacances. Vous pourriez peut-être voyager pour votre travail, ou vous pourriez peut-être voyager dans la famille pour aller voir de la famille, n'est-ce pas? Il y a un voyage. Et donc, ce voyage, eh bien, il est bon de le faire. Et puis, si vous faites ce voyage, vous allez faire peut-être une rencontre signifiante dans votre vie. C'est encore un très très beau message, n'est-ce pas, de notre bel archange Métatron. Et je termine avec l'énergie de guérison, confiance, confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, eh bien, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une très jolie journée. On se retrouve demain. Je vous embrasse. D'ici là, portez-vous bien. À demain.